Vous savez, le Seigneur veut restaurer son peuple et parce qu'il veut encore faire des choses nouvelles, il voudrait que nous revenions à notre premier amour. Vous savez, quand on a fait l'expérience du Seigneur, au départ on prie beaucoup. Et puis à un certain moment, les soucis de la vie font que désormais, notre préoccupation se focalise sur ce qu'on n'a pas et ce qu'on devait avoir. Une jeune fille de 15 ans, par exemple, qui rencontre, qui fait l'expérience de la conversion, bon, 15 ans, 20 ans, c'est-à-dire que pendant 5 ans, 10 ans, elle va prier simplement, c'est Dieu qui, c'est son désir de Dieu. Quand elle commence à avoir 25 ans, un, il faut qu'elle travaille. Deux, il faut qu'elle se marie. Trois, il faut qu'elle ait des enfants. Quand c'est un jeune homme, bon, il n'y a pas de problème. Et puis après, il est allé à l'école, il a fini les études. La seule préoccupation, il faut qu'il travaille. Ce matin, je disais à une de mes filles, prêcher l'évangile, c'est un travail. Ce n'est pas un passe-temps. Il y a des gens qui pensent que c'est vrai, on peut travailler et puis prêcher. Mais demandez à lui là, travailler et puis prêcher, est-ce que ça peut véritablement aller ensemble? Vers la fin, la personne sera obligée de démissionner. En passant, là quand je finis ici, je m'en vais à Saint-Jean. Quand il finit à Saint-Jean, je m'en vais à Port-Boué. Et puis après, je retourne à la maison. Bon, soit tu es un superman ou bien un super homme. Toute la semaine, tu vas aller au travail. Quand il faut préparer une retraite du vendredi au dimanche, pendant que le directeur te stresse, c'est quel bon enseignement tu as préparé. Tu es obligé soit de négliger ta famille. Il y a une partie forcément qui sera lésée. Je ne dis pas qu'on ne peut pas faire, mais vers la fin, celui qui est en train de servir, qui veut servir Dieu pleinement, non pas. Il y en a qui veut se servir de Dieu. Et il y en a qui servent Dieu. Vrai, vrai. On se sert soit de lui, ou bien on le sert. Mais ce n'est pas pressé. Ce n'est pas parcourir les routes qui veut forcément dire qu'on est en train de servir Dieu. Quelqu'un peut servir Dieu pleinement dans son travail. Lui là, pardon, il ne faut pas chercher à prendre Bible pour te promener comme nous. Mais servir Dieu dans ton travail et qu'au travers de toi, on voit l'action de Dieu. Tu es au service. Il y a plusieurs services. Servir Dieu par un témoignage par rapport au travail. Tu fais tellement bien ton travail que si tu es policier, tu ne vas pas sur la route pour racketter. Si on veut, on reste au bureau et puis il faut taper sur machine. Si tu es secrétaire, ne prends pas l'argent aux gens avant de faire leur dossier. Tu es en train de servir Dieu. C'est que il faut au maximum plaire à Dieu dans ce qu'on fait. Je fais rapidement une parenthèse. Je dis aux gens, la plupart des gens qui travaillent aujourd'hui, vous ne travaillez pas pour le Seigneur. Vous travaillez pour un salaire. Vrai ou faux? Alors qu'un travailleur devait travailler pour glorifier Dieu. Voilà pourquoi les gens vont s'asseoir pour dire, tu es vasant, c'est pas mon, c'est pas le chien de mon papa. Vendredi, tu mens, tu dis que tu es malade, et puis tu te retrouves à Djamé en train de faire tes courses. Sale, et puis tu es chrétienne, et puis tu veux que Dieu te donne de prospérer. Tu mens. Satan t'a eu. Tu dis que tu es malade parce que tu veux un petit temps d'une semaine. Tu t'arranges avec le médecin pour qu'il te donne un repos d'une semaine, et puis tu voyages, tu vas à Noé pour faire des achats. Tu penses que l'activité que tu fais là, tu vas avoir l'argent. Voilà pourquoi les gens prennent des commandes et puis ne payent pas l'argent. Tu es dans le faux. Tu es en train de servir Dieu comme ça. En fait, on peut servir Dieu là où on est. Nous, on a décidé de le servir totalement. Oui, mais il y en a qui à l'hôpital. Vous savez, les sages-femmes sont pires que les policiers. À l'hôpital, on est pire qu'à la police. Les racketteurs, des gens qui racketent sur la route à la police,
sont rien qu'à l'hôpital. Hein. Quand tu t'en vas à l'hôpital avec un malade et qu'il décède, on ne te rembourse pas les médicaments. Ça sert à quoi? Ils vont vendre les médicaments de quelqu'un qui est mort. Toi, tu vends quelqu'un qui est vivant. C'est à cause de ça, ils vont entrer à l'hôpital et puis ils vont mourir. Parce que ça, là, il y a la mort qui accompagne le médicament. Nous voulons servir Dieu. À un certain moment, ce n'est pas forcément Satan qui nous fatigue. C'est nous-mêmes. Parce qu'on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire. Et peut-être qu'on est en train de faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Parce qu'il y a l'œuvre pour Dieu et l'œuvre de Dieu. Des gens, nous pensons que faire beaucoup de programmes d'évangélisation, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Non. Est-ce que Dieu t'a dit de faire? Je veux bénir Dieu parce que mon frère veut qu'ensemble, nous trouvons des voies et moyens pour que nous retournions à notre premier amour, qui est la prière. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus prier. Ils veulent qu'on prie pour eux, mais ils ne sont pas prêts à prier. Mais un moteur, une voiture qu'on pousse pour que le moteur prenne, une fois que le moteur a pris, on ne pousse plus. La voiture roule seule. On t'a aidé, on t'a poussé. Mais on t'a poussé, il faut continuer de rouler. Voilà. Il y a trop de drogués spirituels. Oui. On prie pour lui. 3 mois après, il revient. Il dit, ah, la prière que tu as faite la dernière fois, ça a marché. Mais tu es venu prendre ta dose pour au moins encore 6 mois. Tu es... Non, c'est la vérité. Et les gens souffrent. Vous savez, subtilement, le diable nous a amenés à ça. Dans les années 90, vous voyez, au renouveau, aujourd'hui même au renouveau, les gens du renouveau charismatique ne peuvent pas prier seuls. Au début, quand on venait, bon, on se lève, tout le monde prie. Lui, il élève la voix, lui, il élève la voix. Lui, dans l'église, il peut y avoir 10, 5, 15 personnes qui prient. Désormais, maintenant, on prend 3, 4 personnes. Et puis, ces 3, 4 personnes, ce sont eux qui conduisent la prière. On dit, bon, prière dans ça, oui, oui, oui. Puis après, une autre, louange au Père, louange au Fils. Quand on a fini là, vrai, vrai, là. Quelqu'un qui sort de cette prière veut prier. Voilà pourquoi la foi est en train de baisser. Il faut qu'on revienne à notre premier amour. C'est pourquoi j'ai adhéré au mouvement. Sinon, actuellement, là, je n'avais pas prévu aujourd'hui de venir ici. Mais comme je ne sais pas ce que je prévois, mais ce que le Saint-Esprit prévoit, voilà pourquoi je suis là. Voilà. Genèse chapitre 32, le verset 27. Mais je vais prendre le verset 25 et suivant. Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi partir car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » Verset 28. Et lui demanda, « Quel est ton nom ?» Il répondit, « Jacob. » Il ajouta, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et des hommes, et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob lui demanda, « Révèle-moi ton nom. » Et il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa par Péniel. Il boitait de la hanche. Parole du Seigneur. Jacob a toujours comme ça il marchait vers la fin. En fait, quand tu luttes avec Dieu, Dieu laisse une trace dans ta vie. Arrêtons de lutter avec Dieu. Il te laisse une marque qui ne te quittera jamais. Ceux qui luttent avec Dieu, ils souffrent vers la fin. Parce que tellement il a lutté avec Dieu, Dieu lui a laissé quelque chose. Et quand toi-même tu regardes ta vie, tu te dis, ouais, Dieu est passé. Amen.
Donc, je vais demander à tous ceux qui luttent avec Dieu ici, arrêtez. De toute façon, il est plus fort que nous. Voilà. C'est vrai, Jacob a lutté. Mais Jacob, en luttant avec cet homme, il luttait avec son âme, il luttait avec tout ce qu'il y avait comme autour. Vous savez, l'homme en lui-même, là, on souffre parce qu'il y a trop de considérations de ce monde qui nous fatigue. Voilà. Comment j'ai fait pour me loger, me nourrir, me vêtir. Voilà. Il y a quelqu'un qui disait, les désirs, les besoins fondamental de l'homme. Vous savez, on est dans un univers dans lequel Dieu nous a placés et il sait de quoi nous avons besoin. Vrai ou faux? Quand Dieu a créé l'oiseau, il a créé son environnement, son alimentation, les moyens de défense, les moyens de déplacement. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous pensez que Dieu lui nous a créés sans qu'on ait tout ça, sans qu'il prépare tout ça pour nous? Et c'est en ce moment, nous, on va chercher à l'aider à résoudre ce problème. En fait, c'est en cherchant à aider Dieu. Il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Après tout, les gens disent, aide-toi, Dieu t'aidera. Vrai, là, c'est faux. Aide-toi, Dieu t'aidera. Ça n'existe pas dans la Bible. Et comme moi, c'est par rapport à la Bible que désormais je fonctionne. Non, non, non. Aide-toi, Dieu t'aidera. Bon, quand tu dis maintenant, aide-toi là, tu es en train de dire à tes parents, tu as besoin de 1000 francs, tu as 300. Et puis tu dis à Dieu, donne-moi 700, je vais compléter. Dieu va faire en sorte que tes 500, tes 300 là, tu bouffes. Et puis maintenant, parce que Dieu ne peut pas partager sa gloire. Quand tu n'as plus rien et puis tu te donnes les 1000 francs, tu dis, alléluia, Dieu est puissant. Amen. Mais il veut nous amener, on veut parler de la prière. Tout à l'heure, il a dit quelque chose. Nous cherchons Dieu pourquoi? Pourquoi cherchons-nous le Seigneur? Le pape Jean-Paul II disait, beaucoup d'hommes cherchaient Jésus, mais tout ce monde n'en avait pas la même intention. Les rois mages cherchaient Jésus. Les disciples ont cherché Jésus. Hérode a cherché Jésus, pourquoi? Les rois mages l'ont cherché pour l'adorer, mais Hérode cherchait à le tuer. D'autres le cherchaient parce qu'ils cherchaient des signes, des miracles. Nous, nous cherchons Jésus, pourquoi? Hein? On le cherche pourquoi? Ceux qui sont allés à la messe, vous avez écouté, et pendant que j'étais à la messe, ça me faisait rire parce que ça me faisait penser à... au thème du frère, cette femme qui, pendant 12 ans, a perdu le sang. Vous savez, du point de vue de la religion juive, elle est impure. Elle n'a même pas le droit de sortir. Elle ne peut pas sortir parce que tout ce qu'elle touche devient impur parce qu'elle perd le sang. Deuxième chose, elle est fatiguée à cause du traitement. Troisième chose, elle est blessée dans son âme parce qu'elle devait être belle. Et puis à cause de ces chimios-là, elle est devenue vilaine. Quatrième chose, elle est faible. Cinquième chose, il y a la foule autour de Jésus. Ça là, si c'est une Ivoirienne, elle se décourage. Elle va dire, aïe, je vais aller faire quoi là? Mais elle a entendu dire, que tout ce qui touche Jésus, une force sort de lui. Le témoignage qu'on nous rend de Jésus fait quoi dans nos vies? Est-ce que ça nous amène à le chercher? Nous, ça ne nous amène pas à le chercher. Ça nous amène à nous asseoir et dire, moi, mais je vais à l'église là-même. Là. Il ne fait pas pour moi. Hein. La fille prostituée qui est venue tout de suite là, c'est d'elle on parle et puis on ne parle pas de moi. Tu n'es même pas. Ça ne vaut plus donc la peine que je prie. Parce que pour nous, prier c'est quoi? Si je demande à quelqu'un, prier pour vous c'est quoi?
À qui on a dit, tu as bien fait de venir là? C'est qui? C'est vous? Prier, c'est quoi? On n'est pas beaucoup. On est en famille. Prier, c'est adorer Dieu. Prier, c'est adorer Dieu. Qui donne? Être en contact avec Dieu. Être en contact avec Dieu. Autre chose. Chercher la face de Dieu. Parler à Dieu. Amen. Prier, comme elle a dit, c'est rentrer dans une relation avec Dieu. Prier n'est pas demander, mais dans la prière, il y a demander. Prier n'est pas forcément adorer, mais dans la prière, il y a l'adoration. Parler à Dieu, c'est raconter, c'est un monologue. Je parle à Dieu, quand j'ai fini, je m'arrête. Mais prier, je parle, Dieu écoute. Et puis je me tais, et puis Dieu parle. Parce qu'il y a plusieurs étapes dans notre relation avec Dieu. Il y a l'union, la communion et la communication. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont une union avec le Christ, mais qui n'ont pas une communion. Ils ne partagent pas cette union. Ensuite, ça ne devient pas la communication. Parce que dans la communication, tu parles. Dieu dit oui, oui. Quand tu finis, puis tu dis, bon, tu as fini. Moi aussi, j'ai parlé. Ça doit pouvoir nous arriver à nous tous ici. On doit pouvoir parler avec lui. En 2 Chroniques 7, le verset 14, il dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, alors Jésus et je bine. Mais le verset 13, il dit, même s'il arrivait qu'il ferme le ciel, même s'il arrivait qu'il permet des catastrophes, la seule chose qu'il peut faire que Dieu va rétablir, il faut que l'homme commence à prier. Frère, Dieu ne peut pas changer le cours de l'histoire d'un homme sans que l'homme ne lui donne la permission. Dieu ne peut pas changer ta vie si tu ne lui donnes pas la... C'est-à-dire pour te sauver, là, il n'a pas demandé ton avis. Mais pour qu'il te bénisse, Dieu va demander ton avis. Quand nous lisons Matthieu 18, le verset 18, qui a sa Bible ici? Et puis va lire à haute voix. Je ne veux pas 8 secondes. Je veux français courant ou bien... je veux... Vous savez, cette version-là, version français courant, semeur... Non. 8 secondes n'est pas bon parce que ça a mené les gens à dire ce que vous allez lier sur la terre sera lié au ciel. Non, ce n'est pas un verset pour délivrance. Ce n'est pas un verset de délivrance, en fait. Ce n'est pas un verset pour parler de la délivrance. Normalement, quand on dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié au ciel, ce n'est pas pour délivrance. Donc, quand vous utilisez un tel verset pour la délivrance, vous ne serez pas délivré. Parce que derrière la parole, il y a une onction. Allons-y. Matthieu 18, le verset 18. Je vous le déclare, c'est la vérité. Tout ce que vous exclurez sur cette terre sera exclu dans les ciels. Ça voudrait dire quoi? C'est la terre qui commande le ciel. Le jour où j'ai lu ce verset, ma vie a basculé dans le bonheur. J'ai dit, ouh! Donc Dieu même, il attend que moi, je puisse lui dire, il y a telle chose dans ma vie qu'il faut changer. Ésaïe chapitre 3, le verset 7 dit, j'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu. Il y a des gens qui disent, Dieu voit ma situation, non? Mais Dieu voit ta situation, tu as parlé à Dieu combien de fois? J'ai vu la situation de mon peuple, je suis descendu pour le délivrer. J'ai vu, j'ai entendu. Tant que le peuple de Dieu n'avait pas crié à Dieu, Dieu là-bas, il voit. Mais il dit, tu ne m'as pas encore donné la permission. Donnons la permission à Dieu. C'est que
C'est la terre qui donne la permission au ciel d'agir. Continue. Tout ce que vous accueillerez sur cette terre sera accueilli dans le ciel. Tout ce que vous allez accueillir sur cette terre sera accueilli dans le ciel. Donc, si je m'assois pour dire, la maladie dans laquelle je me trouve, c'est la volonté de Dieu, Dieu ne va pas envoyer la puissance pour te guérir. Parce que tu viens de dire, tu es d'accord avec ce qui t'arrive. C'est ça. C'est ce que le verset veut dire. Mais là, Seigneur, si c'est ta volonté. Non, ce n'est pas comme ça d'abord. Vous savez, le Seigneur, quand il nous donne la prière de notre Père, Matthieu chapitre 6, frère, c'est parce que les hommes ont commencé à bien ici, on a commencé à ne plus prier. Vous savez, je ne suis pas contre les évangéliques. Mais ils sont venus nous. J'ai vu les gens, les Anangola, sont venus nous inculquer des conneries. Je vous dis la vérité, les pasteurs, ils ont tué la foi en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas eux qui disent que nous, à l'église catholique, c'est des prières déjà toutes faites qu'on fait. Mais la prière, les livres de Lukuyala, ce n'est pas prières déjà toutes faites qu'on répète. Ce n'est pas des prières déjà toutes faites qu'on répète. Toi, Dieu ne peut pas te parler pourquoi toi tu fasses ta prière. C'est prière de quelqu'un. Tu as ça à l'église catholique. On t'a dit que c'est mauvais. Et puis ils font. Et puis toi, t'en fais parce que ça parle de destruction des œuvres, de la sorcellerie. Vous voyez, ils sont venus, ils sont. Et comme l'Ivoirien, il aime ce qui vient de l'extérieur. Ils ont tué la foi en Côte d'Ivoire. Et ils nous ont donné d'adopter leur manière de faire. Mais je vais vous dire, en Côte d'Ivoire ici, où on prie et puis les gens tombent là. Depuis les années 95, nous on connaissait ça ici. On connaissait ça, pas ça au Nigeria. Voilà pourquoi ils ont chassé Pasteur Chris et puis il allait en Afrique du Sud. Il y a eu des manifestations en Côte d'Ivoire ici, qu'il n'y avait pas ailleurs. C'est en Côte d'Ivoire. C'est en 2010, en 2005, que cette affaire où on lève la main et puis on dit trois personnes vont tomber ici. C'est ça que c'est arrivé en France. Sinon, il n'y en avait pas en France. C'est l'onction que Dieu a donnée pour la Côte d'Ivoire, frère. C'est parce qu'on a commencé à ne plus prier. On cherche des hommes de Dieu loin pour nous poser les mains. Pour que tu... Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, hein, mais je vais dire, une fois qu'on t'a posé la main, que tu as fait triple salto arrière, avant, il faut aussi te prendre pour prendre un peu, comment lui il a fait. Dispose-toi et puis fais, prie, cherche la face de Dieu. Oh. Moi, la dernière fois, j'étais en train de prier, puis j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qui ne va plus dans ce pays? Prions. C'est parce qu'on ne prie pas qu'il y a des catastrophes bêtes dans Côte d'Ivoire. Tant que nous, les chrétiens, on est là, c'est à faire des religions. Lui, il a insulté la Vierge Marie. Et puis vous ne voyez pas que, comme le Père Louga disait, dès l'instant où on commence à s'insulter entre nous, au lieu de s'accorder pour prier. Il dit, folie. Matthieu. Verset 1er, allons-y. Matthieu 6, verset 1er. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Voilà. Gardez-vous. Il faut que, c'est-à-dire en fait, ce qui va suivre là, ce n'est pas parce que prier en public est mauvais, mais c'est la motivation qui te pousse à prier en public ou bien à donner aux gens en public. Si tout ce que tu fais pour Dieu, c'est pour te faire voir. Tu fais l'œuvre pour Dieu et tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Moi, je dis, une ONG qui dit qu'elle est chrétienne, quand elle donne quelque chose à des orphelins, on n'a pas besoin d'envoyer la télévision. Tu envoies la télévision pourquoi? Ce que ta main droite donne, que ta main gauche ne sache même pas. Quand on fait du bien, on n'a pas besoin de dire ça devant tout le monde. C'est toi qui envoie l'enfant à l'école. Il a réussi. Et Dieu. S'il te donne, il ne te donne pas. Ce n'est pas grave. Non, les gens sont ingrats. Hein? Je l'ai aidé, il a aidé quelqu'un. Non. Parce que pendant que tu faisais là, c'était un investissement à long terme que tu faisais.
à court et moyen terme. Ah, j'ai dit à quelqu'un, moi si je donne ma chemise à quelqu'un, que tu prends pour faire une serpillère, ça ne va rien me faire. Ce n'est plus pour moi. C'est pour toi. C'est pour toi. Si tu veux faire de ça ce que tu veux, mais les gens ils donnent toujours. Mais regarde, ce que je t'ai donné là, tu m'attraites comme ça. La personne n'est pas convertie. Je te donne la chaussure, tu ne la portes pas. Oui, tu veux prendre encore. C'est à cause de ça que les gens donnent toujours les vieilleries, ce qu'ils n'aiment pas. Dès l'instant où quelque chose te plaît et que tu ne peux pas donner, tu n'es pas encore converti. Voilà pourquoi tu as donné quelque chose et puis tu n'as pas en retour. Mais si c'est vrai, vrai, tu as donné et puis pendant que tu donnes, ça te fait mal. Ce que tu as donné en un, Dieu va te donner peut-être en 4, 5, 6. Allons-y. Sinon, vous ne recevez pas de récompense de votre Père qui sinon, est dans vous les cieux. Sinon, vous n'allez pas être récompensé. Allons-y. Quand donc tu donnes quelque chose à un pauvre, n'attire pas bruyamment l'attention sur toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues. C'est les hypocrites qui font ça. Ils font, mais pendant qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de donner, ils font du bruit pour qu'on les remarque. La dernière fois, tu enregistres pour envoyer ça où? Vous enregistrez pour envoyer ça où? Facebook. Ce que j'ai dit là, c'est supprimé. N'enregistrez pas. Ou bien essayez en direct dans le temps. Ah d'accord, je ne dis pas. Frère, souvent les Blancs font, nous aident ici en Afrique. Mais ce qu'ils présentent là-bas, là, c'est que c'est à des démunis et à des enfants de la rue qu'ils envoient. Même des païens font ça. Et puis bon, on va. On est pauvre. Frère! Mais parce que c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas compris. Quelqu'un qui rentre véritablement dans la présence de Dieu, l'orgueil ne peut plus l'habiter. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, la lumière de Dieu t'éclaire. Toutes les tâches qui sont sur toi, tu découvres. Parce que tu te rapproches de la lumière. Vous savez, des gens aujourd'hui n'ont pas fait l'expérience de la sainteté de Dieu. On a fait l'expérience, on n'a pas d'abord été poussé par la sainteté qui va inspirer la crainte. Voilà pourquoi quelqu'un prie, il est chrétien et puis il trompe sa femme. Parce qu'en fait, la rencontre qu'il a fait avec Dieu, c'est une rencontre de miracle. C'est un miracle qui a fait qu'il s'est converti. Vrai, vrai. Il y a eu 5000 qui ont été nourris. Non? Combien qui se sont retrouvés à la somme haute? 120. Où sont les 4820? Ils sont où? 4780, pardon. Ils sont où? Ils sont où? C'est 120. Ça voudrait dire que ce n'est pas parce que Dieu a fait un miracle dans ta vie que forcément ta vie va être transformée. Le miracle attire, mais c'est l'enseignement qui maintient le chrétien. Ce n'est pas parce que Dieu a touché quelqu'un et que sa vie, il a été touché, que sa vie sera transformée. C'est dans la prière et la méditation de la parole que la vie de quelqu'un est transformée. Allons-y. Ils agissent ainsi pour être loués par les hommes. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais quand ta main droite donne quelque chose à un pauvre, ta main gauche elle-même ne doit pas le savoir. Ainsi, il faut que ce don reste secret. Et Dieu, ton Père, qui voit ce que tu fais en secret, te récompensera. Le verset 5. Quand vous priez, ne soyez pas comme... Quand, ça voudrait dire quoi? Quand français dit quand, ça veut dire quoi? Vous qui êtes allé à l'école, parce qu'il y en a, on est allé à l'école et vers l'école. Qui est allé à l'école? Qui a fait les bancs et qui était sur les bancs? Hein?
Non, non, on est souvent un ayant soit assis sur le banc et qu'on ne sait rien. Aller à l'école et puis aller vers l'école, c'est pas forcément aller à l'école. Hein? Amen. Quand? Ça veut dire que le moment. Quand vous priez, Ne soyez pas comme les hypocrites. Ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues. Ils aiment à prier debout dans les synagogues. Et au coin des rues. Et au coin des rues. Pour que tout le monde les voie. Pour que tout le monde les voie. En fait, il ne dit pas que ne pas prier dans les coins de rue est mauvais. Mais c'est le fait que tu te mets dans les rues pour qu'on te voie. Pour qu'on dise que tu es grand prieur. Ça là, ça va fatiguer les chrétiens catholiques. Est-ce qu'on est obligé de se lever comme ça dans l'église pour crier, crier? Prier, c'est prier dans mon cœur. Ton enfant n'a qu'à venir devant toi pour dire. Il y a quoi? Non, je parle dans mon cœur. Toi-même, ce que tu veux pas aimer. Dieu sait tout. Ils sont de les cœurs et les reins. C'est là qu'on commence à réciter des versets. C'est le même qui a dit demander. Demander là. C'est pas comme ça. Bobo. Ah oui. Demander voudrait dire qu'il faut parler. Est-ce que vous savez que Matthieu 7:7 là, c'est trois types de prières qui sont là. Demander. Chercher. Frapper. Je dis, où est mon portable? Je demandais. Il n'y a pas eu d'effort. Chercher, il y a la transpiration. Frapper, c'est plus fort. C'est des niveaux et des gradations. C'est-à-dire que tu pries. Il y a des prières où tu souffres. Il y a des prières où tu transpires. Il y a des prières où ton âme est dans l'agonie. Tu es en train de frapper. Trois. La vie dit frapper. Et puis on récite sa vie de vie. Ça, c'est le stade de perroquet. Le perroquet dit bonjour, mais ne sait pas ce que veut dire bonjour, parce que son maître a dit bonjour. Donc il répète. Et même la nuit, le soir, comme lui ne voit pas le temps changer, il va dire bonjour. Allons-y. Non, je vous dis la vérité. Je vous le déclare, c'est la vérité. Ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier. Alléluia. Il ne dit plus quand. Dans le quand, le moment, maintenant il y a lorsque. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là. Voilà encore un verset qui a bouleversé beaucoup de chrétiens catholiques. Je veux prier, je m'enferme. C'est quelle affaire de prière communautaire? Je m'enferme. Est-ce qu'on est obligé de venir devant les gens crier, crier? Ah! Et donc, allez voir Actes chapitre 4 à partir du verset 29 jusqu'au verset 30. Les gens se sont mis, quand on a libéré, quand Pierre est sorti de la prison, toute l'église a élevé la voix. Ça, dans la Bible, dans toute la Bible, ça existe. En fait, ce ne sont pas eux qui ont inventé ça. Mais comme ils s'appellent évangéliques, ils ont voulu faire ce que les évangiles disent. Voilà d'où vient le nom évangélique. Ils ont voulu vivre selon les évangiles. Voilà d'où est venu leur nom. Arsène, il vit selon la parole et l'évangile. Donc c'est un évangéliste. Donc on ne peut pas dire c'est église. Non, dès l'instant où tu commences à vivre selon la parole, tu vas gêner beaucoup de personnes. Tu vas dire, oh, toi, c'est la Bible. Oui, mon ami, c'est notre livre de notre loi. Quand tu vas chez un notaire à Ambigan, la dernière fois, je suis allé chez un notaire. Quand le monsieur est venu parler de succession, non, quand elle a soulevé, elle a dit, selon la loi ivoirienne, temps en temps, du demi-temps, et puis elle cite, paragraphe temps, alinéa temps, et puis elle sort, paragraphe, troisième ligne. Il dit, ouais, ça m'a donné de réfléchir. Vous savez, voici quelqu'un, dès l'instant où on lui parle, elle trouve un article
de loi qui répond aux besoins de quelqu'un. Nous, les hommes de Dieu, quand quelqu'un vient nous voir, est-ce qu'on est capable de dire, la Bible dit que voilà, tant, parce que c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est le livre de la loi. Et le livre de la loi doit pouvoir te libérer de ce qu'il y a. Et c'est nous qui demandons, il faut aller, j'ai gêné, prier, et puis 3 jours après, il faut venir. Elle n'a pas attendu de dire à la femme, il faut aller. Directement, elle a pris le livre, elle sait quelle est la loi qu'il faut qu'elle applique pour avoir ce qu'elle recherche. Et nous aussi, dans le monde spirituel, il y a un verset dans la Bible qui répond à ton besoin. Une fois que tu l'as, que tu le rappelles à Dieu. Parce que le Seigneur dit, rappelez la mémoire de l'Éternel. Rappelez, et ne nous donnez pas de se reposer jusqu'à ce qu'il est exaucé. Rappelez. Il dit, sur ta mur, Jérusalem, j'ai planté des sentinelles qui ne se tairont pas et qui ne laisseront pas Dieu, qui ne donneront pas de répit à l'Éternel. Quand il est venu, Seigneur, mon célibat, Dieu ne règle pas les célibats. On va lire le verset 13. Il faut qu'on. Oh, la parole de Dieu, il faut la manger. C'est le testament. Tu vas aller prendre l'héritage de ton papa et puis tu viens, tu dis, ah. On va te dire, est-ce que dans le testament là, ton nom est dedans? Bon, qu'est-ce. Maintenant, tu es héritier, mais il dit quoi? Qu'est-ce qui t'a légué? Qu'est-ce qui te laisse? Je ne sais pas où. Sors d'ici. Ou bien, il faut qu'on fasse la lecture du testament. Maintenant qu'on a fini de lire le testament et qu'on dit que 40% de l'héritage du papa t'appartient, on ne discute pas. Le notaire exécute. Qu'est-ce que ton père dit de toi? Vous savez, dans le livre de Luc chapitre 4, Jésus, on dit, quand il rentre dans la synagogue, on lui tend le rouleau du livre d'Ésaïe, il le déroule. Il trouve un passage, quand il a fini, il enroule et puis dit, ce que vous venez d'entendre là vient de s'accomplir. Tranquille, tant qu'il n'est pas lu, tant que le verset n'était pas lu, l'onction qui était derrière le verset n'allait pas s'accomplir. Il dit, tout ce que vous venez d'entendre, c'est Léa dit. Il y a dans la Bible un verset qui te concerne. Le psaume 40, le verset 6 et 7 et suivant dit, il est écrit à mon sujet. Et dans la Bible, il est écrit quelque chose à ton sujet. Il faut découvrir ça. Et une fois que tu as découvert dans la prière, il faut faire monter. Car il dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Une prière doit commencer après la lecture d'un passage. Tu finis de lire la Bible et tu as médité. Tu as murmuré, tu as ruminé. Tu as ruminé, puis tu dis, waouh, donc c'est pour moi. Tu as dit tant, tu dis, ah, d'accord. Oh Père, je saisis cela, c'est pour moi. C'est une promesse. Une promesse revendique. Et comme tu as dit, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour revenir et changer d'avis me concernant. C'est que c'est pour moi. J'attrape. Et puis je mets dans ma poche. Il y a des gens qui prient, ils disent, j'arrache. Mais tu arraches, tu fais un tas. Quelqu'un derrière, j'ai ramassé. Tu as déjà regardé le tas que tu as mis là, quelqu'un a pris. Une affaire doit être sécurisée, validée, sauvegardée. Même quand tu fais sur Internet, sur l'ordinateur, là, il y a sauvegarde. Oui. Parce que tant que tu n'as pas sauvegardé pour mettre OK, ça, c'est perdu. Tout le temps. Vous savez, ces gens-là, ils utilisent des principes spirituels. Mais nous qui devons utiliser ça-là, on n'utilise pas. Ah, c'est ça. Osée 4, verset 6 dit, mon peuple périt faute de connaissance. Vous savez, si dans là, ce n'est rien devant l'ignorance. Hein? Parce que quelqu'un qui est ignorant, il est plus en danger que quelqu'un qui a le sida. Ah oui. Parce que quand tu ne sais pas, ton papa est riche. On dit que tu es le neveu de Dangote. Mais tu ne sais pas qui est Dangote.
Tu n'as jamais entendu ce nom-là. Peut-être que tu penses que c'est une recette. Alors que c'est l'Africain le plus riche. Mais une fois que tu sais, même quand tu es à Borimana, ta manière de penser commence à changer. Est-ce que tu sais à qui? Est-ce que tu sais qui est ton papa? Un enfant d'un général, même quand on a raflé les gens, le policier même dit, allô? Il va appeler l'enfant. Il va appeler le général d'abord avant de prendre son enfant pour l'envoyer. Mais toi, ton papa, c'est qui? On t'arrête. Même quand tu as pièce, on t'arrête. Le gars a simplement été élevé par le général. Quand il sort, il est influencé par ça. Puis quand il sort, parce qu'il porte le même nom que le général, quand il sort, son nom même fait déjà peur. Et parce qu'il a une... S'il a une bonne relation avec son oncle, qu'on l'arrête. Prends le téléphone. Allô? Je suis au commissariat du 12e. Il dit, passe-moi le commissaire. Allô? Il ne voit pas le gars, mais voilà. Oui? Allô? Oui, oui. C'est le commissaire, ça, c'est le général. Hé, monsieur le général. Ah, d'accord. Oui, 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 oui. Si le général dit de te mettre derrière le comptoir, sans ce moment, on va te mettre. Mais si tu es un enfant gentil, il dit libère-le. On dit toi, sors. Il est content ou n'est pas content. Sors. Il te redonne tes pièces. Donc, même si on devait fouiller dans ton porte-monnaie, ce qu'ils ont fouillé, ils ont pris, ils vont mettre. Parce que erreur. C'est la même chose avec nous et puis Dieu. Satan t'a pris illicitement. Quand tu te lèves, tu dis, même dans la prison, Seigneur, voilà, on m'a emprisonné ici de manière frauduleuse, je bénis l'injustice. Mais je crie à toi. Si on n'envoie pas quelqu'un, la prison, le fondement de la prison sera ébranlé. Du coup, les prisonniers qui sont là, à cause de toi, ils seront libérés. C'est ce qui s'est passé à Paul et Silas. Ils ont été mis en prison. Au lieu de se lamenter dans la prison, ils ont commencé à célébrer, louer Dieu. Dieu dit, je ne vais pas envoyer un général pour vous libérer. Mais prison, tout ça, ça n'existe plus. On va casser ça. Et puis, comme on a l'habitude, Satan a l'habitude de vous mettre en prison là-bas. Il n'y a plus de prison. Qui on va envoyer là-bas? Voilà comment la prison... Oh, yo, ma Satan. On est trop. Seigneur, tout ce qu'on dit, Seigneur, il faut que je me marie. Mon âge, je suis en train de prendre de l'âge. Ce n'est pas en fonction de l'âge que Dieu nous donne un mari. C'est en fonction de la communion que tu as avec lui. Si tu as vraiment une communion franche avec lui, là, ce n'est pas à toi de te préoccuper. C'est Dieu en voyant ton âge qui va se préoccuper pour dire, ma fille là, c'est pas normal. C'est Abraham qui a envoyé son serviteur aller chercher femme pour son fils. C'est pas Isaac qui est parti chercher femme. Quand tu as une bonne relation avec Dieu, ce que tu veux là, Dieu lui-même va susciter les événements pour que ça t'arrive. Même le méchant, même Satan même, il va contribuer à la réussite du plan de Dieu dans ta vie. C'est ce qui s'est passé pour Jacob, Joseph. Il avait pris. C'est-à-dire qu'il pouvait se rebeller. Il pouvait dire à Potiphar, si tu veux, il faut me tuer. Moi-même, je suis déjà mort. Un bon Ivoirien m'a dit, moi-même, mes frères même m'ont vendu là. Je suis déjà mort. Je ne fais rien. C'est pas pour me tuer. Dis-moi. On m'a déjà tué. Mais il reste fidèle et il travaille bien. L'esclave devient le maître de la maison. Jusqu'à la femme de Potiphar avait couché avec lui. Mais elle a raison. Vous savez pourquoi elle a raison? Vous savez pas? Potiphar était eunuque. Il était castré. Dans la version Tob, on dit l'eunuque de Pharaon. Il est castré, mon ami. Il vend de l'eau glacée. Mais ces gens-là, pour qu'ils se marient, on trie les filles au temps d'Esther. Le roi
roi a fait faire, il a fait visiter les régions, les provinces pour choisir les plus belles filles. Mais quand le roi a fini de se servir, ses agents se servent aussi. Potiphar, qui était le chef des gardes, il va se servir. Ce que le roi n'a pas pris, qui est joli, il a pris aussi. C'est dans ça qu'il a pris pour elle. Mais elle est là, depuis le gars ne la touche pas. C'est un maquillage pour dire que le gars attend. Mais il est nuque. Elle a vu un garçon pile. Il faut venir faire. Il dit, je ne fais pas. On l'a mis en prison. Dans la prison, il est devenu le chef de la prison. Puis il est sorti de l'esclave. Il est devenu le premier ministre. Il est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Parce que sa communion avec Dieu n'a pas changé. Est-ce que pendant qu'on souffre, on ne commence pas à nous arrêter de prier? Seigneur, j'ai prié, gars, aujourd'hui, si je ne prie pas, ça fait quoi? Boum, tu dors, boum, le nom du Père, du Fils, première fois. Je suis fatigué d'être. La deuxième fois, tu veux le nom du Père, tu dors. Troisième jour, mais la main ne va pas arriver ici. C'est fini, Satan t'a eu. Frère, pour que Satan puisse te détruire, il va un peu, un peu, un peu, un peu. Au moins, moi, je dis toujours aux gens, ce n'est pas là où on a glissé qu'on tombe. Lui a griffé, là où il a tombé, là, ce n'est pas là où il a glissé. Satan prépare son coup. Il va tout doucement jusqu'à ce que tu n'aies même plus de contact avec Dieu. Puis paf, il te détruit. Mais quand on est en train de prier, on est dans la communion avec Dieu, Dieu forcément va nous parler. C'est pourquoi il nous faut prier. Et dans cette prière, il nous faut avoir cette communion avec Dieu. Ce contact permanent avec Dieu. Alors, Dieu va donc épancher notre cœur, son cœur dans les réalités de notre vie. Et en même temps, nous épanchons notre âme comme Anne, la mère de Samuel, en 1 Samuel 1. Elle a parlé du gars, bois surpris. Le gars dit, hey, va couver ton vin ailleurs. Va me saouler là. Il dit, hey, je ne suis pas saoulé. De toute façon, ça me fait mal. Je suis en train de pencher mon âme. Mais c'est cette prière-là qu'on nous donne. Qui vous a dit qu'elle n'a jamais prié? Peut-être qu'elle avait déjà prié. Je vais calculer ça comme ça. Peut-être qu'elle a commencé, au départ, elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant pour que Pénina sache que tu es Dieu. Il faut démontrer que toi. Est-ce qu'il a dit que c'est vrai que tu as travaillé que Dieu est Dieu? Il est Dieu avant. Tu n'es pas marié, tu es marié, Dieu est Dieu. Ce n'est pas quand tu as été marié qu'on va voir sa puissance. Il est puissant. Il n'a plus besoin de démontrer qu'il est puissant. Il a fait sortir Jésus du tombeau. Il a fait sortir Lazare du tombeau. Ça, là, ça prouve d'ailleurs qu'il est puissant. Si tu veux, ce n'est pas à cause de ton petit mariage. Ce n'est pas à cause de BTS. Il est puissant. Mais la seule chose qu'il demande, d'abord une communion. Il y a un chanteur de Zougou qui dit, Dieu n'est pas Gaou, hein. Dieu n'est pas Gaou. Hein? Ce qu'Adam et Ève lui ont montré là, il n'est plus prêt à donner cadeau d'eux. On donne toute la terre. Il dit, ah, on veut dire, c'est gros, c'est grand. Nous, on gère petit, il faut prendre. C'est pourquoi il dit, je vous donne la richesse et tous les royaumes. Parce que cela m'a été donné. Ce n'est pas Dieu qui a donné ça à Satan. C'est la désobéissance d'Adam et Ève qui a donné la possibilité à Satan d'avoir l'autorité sur la terre. Voilà pourquoi dans la plupart des pays dans lesquels il y a des minéraux, il y a tout ce qu'il y a comme minéraux dans le sous-sol. Il y a tout le problème là-bas. Quand l'économie de la Côte d'Ivoire se reposait sur l'agriculture, est-ce qu'il y a la guerre ici? Mais quand on a dit qu'on a découvert ça ici, on a découvert ça ici. Pourquoi aux Haïti, tout ça, il y a un problème? Les Haïti est l'un des premiers producteurs de cobalt. Ce qu'on prend pour faire portable, c'est les Haïti qui produit ça. Ce qu'on appelle processeur, là, le cœur, petit pierre qui est là-bas, là, c'est aux Haïti, Congo, là, c'est là-bas en fait. Et Satan est habillé de pierres précieuses. Ça doit, tout ça, les pierres précieuses. Et regardez. Là où on extrait l'or, même les chrétiens qui sont là-bas, eux-mêmes savent
avant d'extraire l'or, on fait un sacrifice. C'est ça qui concentre l'or dans un seul endroit. Tout le monde est au courant. On fait un sacrifice. Et là où on a. C'est à cause de ça qu'on ne vole pas l'or. Parce que à l'origine, il y a un sacrifice. Donc il ne peut pas t'avoir de bénédiction sans sacrifice. Donc toi, on ne te demande pas de tuer mouton. Mais il faut que le Saint-Esprit fasse mourir ta nature charnelle. Ton ego, ton moi là, doit être touché. Quand il est touché, waouh! Quand Dieu te bénit, ce qu'il te donne, ce n'est pas pour faire le fanfaronnage. Ce n'est pas pour qu'on te voie. Hein, tu arrives, tu es l'archibishop. Toi seul, tu viens. Hein, dans un endroit, on t'a invité, tu as 30 personnes qui t'accompagnent. Aïe, toi aussi. On dit que tu es béni. Ce n'est pas dans l'accompagnement qu'on dit qu'on est béni. Hein. Dans ce qui t'accompagne. Vas-y. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret. Et ton Père qui voit ce que tu fais en secret te récompensera. Le verset 7. Quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu, votre Père, c'est déjà de quoi vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Ça là encore, ça a perturbé les gens. Mais si Dieu sait déjà, pourquoi j'ai parlé? Mais le même dit, il faut parler. Allons-y. Voici comment vous devez prier. Voici comment. La manière. Il y a le quand. Et puis maintenant, il y a la manière. Donc, dans le Notre Père là, c'est la disposition de la prière que notre Père nous donne. Nous, on récite, mais c'est les étapes de la prière qui sont le Notre Père. Allons-y. Notre Père qui est dans les cieux. Amen. Les Juifs, Dieu est leur créateur. Cette notion de Père-là, ils redoutent ça. Voilà pourquoi Jacob dit, j'ai vu Dieu et je vis. Jésus vient changer la nature des rapports qu'il y a entre l'homme et Dieu. Les Juifs, les Arabes prennent Dieu pour le Créateur. Jésus n'a pas été tué parce qu'il a fait des miracles. Jésus a été crucifié parce qu'il a osé dire que Dieu est son Père. Et donc Dieu, Jésus vient nous dire que Dieu n'est pas lointain. C'est vrai qu'il est loin, mais les nôtres, il aurait pu dire, quand vous priez, dites mon Père, mais dites notre Dieu là, c'est ton papa. Est-ce qu'il y a une relation filiale entre Dieu et toi? Toi qui es en train de faire cette prière. Donc pour nous approcher de Dieu, il faut d'abord qu'on ait une relation de père à fils, de père à fille. Première chose. Donc si tu penses qu'il n'y a pas de relation de père à fils ou de père à fille, demande pardon. Il y a repentance dans ça. Seigneur, oh, je t'en supplie. Je ne veux pas être un enfant. Donc tu demandes pardon. Ça peut durer au moins 3 heures. À cause de mon comportement, je me suis éloigné de toi. Pardon, je reviens comme le fils prodigue. Ne me prends plus comme ton fils. Mais là moi-même, je ne dis plus, ne me prends plus comme un mercenaire. Seigneur, je suis ton fils, je ne peux pas devenir mercenaire. Je ne deviens pas mercenaire, je suis héritier quand même. Voilà. Amen. Allons-y. Que chacun reconnaisse que tu es le Dieu saint. Alléluia. Est-ce que tu as d'abord reconnu que ton Père, Dieu est saint? Est-ce que dans ta relation et dans ta vie, tu montres que Dieu est saint? Que chacun te reconnaisse comme le Dieu saint. Deuxième chose. Allons-y. Que ton règne vienne. Oh, nous devons prier pour que le règne de Dieu vienne. Mais quand on dit que le règne de Dieu doit venir, c'est qu'il doit venir en tant que notre roi. Bon, nous qui sommes à l'ouest, on ne connaît pas le système de la royauté. Nous, on connaît le système de chefferie. Même là-bas, on frappe chef du village. Les pétés, les titats, tout ça. On s'en fout. On te frappe et puis on dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, cette famille-là, il n'y a plus chef dedans. C'est cette famille-là qui prend la chefferie. C'est vrai, ça? Donc, au fond, nous, là, on ne connaît pas le système de la royauté. Mais allez demander aux Akans.
allez demander au Moussi, où le Murunaba est le chef inconditionné de Moussi. S'il doit avoir coup d'état au Burkina, le Murunaba doit être d'accord avant même que le gars ne se place. Il est l'heure. Donc eux, vous, inculquez au Murunaba. Et par exemple, on dit Murunaba. Jésus, parce qu'il est ton Seigneur et qu'il règne, il a droit de vie et de mort. Est-ce que Dieu a droit de vie et de mort sur toi? Avant de dire cette prière, il faut d'abord comprendre tout ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit saintement. Et puis on continue. Mais vous voyez, aujourd'hui là, on répète, mais on ne vit pas. Ou bien on ne comprend pas ce qu'on est en train de faire. La prière est importante. C'est même la respiration du chrétien. Quand un chrétien s'arrête de prier, sa vie va dégringoler. Quand tu vois un chrétien qui ne prend plus au sérieux sa vie de prière, dis-toi, il va chuter. Pour que les gens, les hommes du monde puissent avoir les filles chrétiennes, qu'elles ont, au fur et à mesure, bon, ils t'envoient quand on finit la prière le soir. Vraiment, je ne suis pas contre toi, hein, tu peux aller à la prière. Mais va à la prière, et puis bon, mais le soir, on se retrouve dans un maquis, et puis bon, après, en boîte de nuit, et puis désormais, et puis après, tu te dis, puis bon, toute la semaine, quand même, du lundi au vendredi, on a travaillé. Bon, là, je suis fatigué, et puis tu appelles le berger. Hassan, je dois venir, mais j'ai ma tante qui est malade. Je dois lui rendre visite. Bon, mais la prière, la semaine prochaine, il y a prié encore. Non? Tu as commencé comme ça. Hein? Le soir, quand tu arrives, pour prier même, c'est compliqué. Tu es en train de faire, je vous salue Marie. Tu n'es même pas encore arrivé sur le troisième grain. Tu es assommé. Bon, de toute façon, trois grains, c'est suffisant. Hein? Il y en a même, il ne faut même pas trois. Moi, j'ai fait trois. Ça commence, hein. Ça commence. Petit à petit, tu commences à aller à la messe. Et quand l'homélie dit un peu, oh, la messe a duré d'air. Ah, vraiment, les jeunes aussi. Maintenant, tu cherches les paroisses où la messe fait 45 minutes. Tu vas dans les monastères, là. Là-bas, la messe ne dure pas. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Si tu étais païen que tu faisais fétiche, les gens tâchent. C'est-à-dire ceux qui font combien là? Ils commencent à 8h, jusqu'à 16h, ils sont là. On dit c'est du fanatisme. Vrai, si vous voulez, je suis fanatique. En tout cas, je suis fou de Jésus. Parce qu'en fait, ça dépend de où il est allé te chercher. Moi, il m'a cherché loin d'eux. Donc là où il n'est pas dû me chercher, là, ma reconnaissance, là, c'est de le servir toute ma vie. Si tu es chrétien, tous les jours tu allais à l'église, bon, toi, tu vas te dire, non, tu as raison. Non, mais tu vois, nous. Si je vous dis pour moi, là, vous n'allez jamais trouver, Dieu même fait du favoritisme. Mais on s'en fout. C'est à cause de ça, il dit, les derniers seront les premiers. Parce que quand tu réveilles quelqu'un qui dort, tu ne fais pas attention, il va te faire tomber. Parce que quand il se lève, tu dis au feu. Et quand il se lève, il ne réfléchit pas, il commence à courir. Il a dit, hey, il y a quoi? C'est ça, nous, là. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on a perdu, on a failli perdre nos vies. Continue. Que ton règne vienne, que chacun sur la terre fasse ta volonté. Que chacun sur cette terre fasse ta volonté. Vous voyez, généralement, nous avons attribué les choses qui viennent de Satan à la volonté de Dieu. Il y a trois choses qu'il faut demander. Ce que je vis, est-ce de la volonté du diable? Est-ce Dieu? Ou bien c'est moi-même qui me suis imposé ça? Voilà. Dieu n'a jamais dit non à la prière de quelqu'un. Est-ce que vous avez ça? Est-ce que vous avez ça? Dieu n'a jamais dit non. Il dit, tiens, attends un peu. Ce n'est pas bon pour toi. Dieu ne peut pas dire non. Il dit, ce n'est pas bon pour toi. Parce que si je te donne, ça va te créer un problème. Garçon, tu as le mari.
Il sait que si tu te maries avec ce gars, il va te frapper jusqu'à quand tu vas mourir dedans. Ou bien il va te tromper. Il commence déjà à te faire un bizarre. Tes copines disent, le gars là, faut faire attention, on le voit un peu trop. Oh, comme tu n'as rien là, jalouse. Maintenant, quand tu t'en vas, ma soeur m'a dit. Maintenant, tu vas lui dire, on m'a dit où? C'est moi-même parce qu'il était bête, il était suivi. J'ai marié à l'église, oh, c'est collé, tu ne peux plus. Merci. Même ta maman, ou bien tes parents, si un de tes parents commence à s'opposer à ce que tu vis, il faut commencer à dire, est-ce que ce n'est pas le discernement de Dieu qui commence? Tu dis, on a calé doucement. À cause de ça, tu quittes tes parents, tu fais palabre avec eux, si tu as habité chez lui, il va t'enceinter. Mais on tourne du cas, là où on va te doter, là, c'est ton papa. Sinon, tu as chié là-bas. On va te doter où? C'est à cause de ça, ça fait 15 ans, on ne t'a pas encore doté. Parce que même quand on veut faire la dot, il faut qu'on aille demander pardon. À cause des garçons, viande. Souvent je dis aux gens, moi, avant là, quand on était goéga, quand on était dans le monde, là, tous les jours, tu cours, quand ce n'est pas encore validé là, tous les jours, quand vous attrapez, vous êtes dedans. Maintenant qu'on se marie, tu arrives le soir, je suis fatigué. La personne veut te dire, je suis fatigué d'elle. Je dormis. Maintenant où on t'a donné cadeau, faut faire. Tu ne fais plus. Maintenant quand tu voles, viande dans sauce. Ceux qui viennent dans ce sens-là, quand tu l'as attrapé, tu dis, il faut manger tout. Il dit, moi, qui t'a dit qu'il voulait manger? Tu voles, on t'attrape. Maintenant, là, c'est validé. Fais! Tu t'assois, tu dis, hé, toi aussi. Ça va tous les jours, en fait. Quand vous étiez dans le monde, tous les jours, quand on se retrouve, tous les jours, on fait. Mais maintenant, ceux qui sont mariés, disent, non, quand même. Ça va tous les jours. Aussi. Quand il arrive le soir, il est fatigué. Sa femme veut le toucher. Hé, hé, hé. Il y a quoi? Je suis fatigué d'elle. Amen. Il y a beaucoup de divorces qui commencent par là. Et vous allez là. Les femmes là, surtout vous. Vous les femmes là. Il y a 25 minutes, mais je vais vous parler. Je ne suis pas obligé de prier. Parce qu'il a dit qu'on parle et puis après vous allez prier. Je vous dis la vérité. Il y a deux versets que je vais prendre tout à l'heure. Puis je vais vous dire une chose. Il y a beaucoup de femmes. C'est à cause de vous, ça se gâte. Qui est marié ici? Légalement à l'église. Légalement. Tu es là avec ton mari. Si vous êtes là à deux, vous levez la main, puis vous attrapez la main pour la soulever. Marié, marié, femme. Si vous êtes à côte, je vais voir. Quels sont ceux qui sont mariés et qui sont dans la salle? Il n'est pas ici. Et qui a sa femme ici? Voilà, vous deux seulement. Ah d'accord, Dieu merci. Tu les as bien indiqué. Hein? Tu vois dans les endroits. Ils sont mariés, femmes. La femme là-bas, le monsieur ici. C'est pas ici où on va venir dire aux gens qu'on est marié. Mais quand on est beau et gars, on est dans le faux là. Tous les jours, on est collé. Mais quand on se marie là, on ne veut plus marcher ensemble. C'était nous, surtout nous les hommes là. Aïe, tu me suis pourquoi? T'as soif tes camarades là. Moi, quand je vais à l'église le dimanche, ma femme est à côté de moi, mes enfants sont à côté. Et puis quand on dit la paix du Christ, c'est chez sur sa bouche, je fais bisous. C'est validé. Ce qu'on a fait derrière le culte jusqu'à là, à l'église, on nous a dit embrasser. Devant son papa, devant sa maman, devant les parents. On m'a dit, il faut l'embrasser devant mes parents. Ce qu'on faisait où nos parents n'étaient pas, on a fait ça bien devant les gens, sans honte. Et c'est quoi, gars, peut s'embrasser. Mais c'est salut. C'est bien. Désormais, si vous deux, vous allez à une prière, asseyez-vous côte à côte. Il ne faut pas que quelqu'un va passer au milieu de vous. Si quelqu'un veut s'asseoir, dit frère, pousse. Non, non. Toi-même, il faut aller. Non! On doit montrer au monde qu'il y a de la joie dedans. On doit pouvoir être l'image. C'est nous qui devons faire aux autres. Faire, non pas croire, mais montrer aux gens que ce qu'ils pensent qu'il y a dedans, c'est faux.
Mais qu'est-ce qui n'est pas compliqué? Même manger, même c'est compliqué. Faut avaler, faut marcher. Quoi. Et puis tu as avalé, tu as. Mais c'est souffrance. Tout est difficile. Mettre au monde un enfant, c'est compliqué. La femme, elle est entre la vie et la mort. Mais quand l'enfant naît, elle dit, je fais plus. 4 ans après, il a grandi d'elle. Elle tombe enceinte encore. Quand elle s'en va coucher, ça là, après ça là, plus jamais. Mais je n'ai pas vu qu'il a grandi. Quand la femme commence à dire qu'il a grandi, mon ami, c'est qu'elle est en train de dire, c'est possible. Maintenant, ce que je voulais dire rapidement, pour les femmes, là, il y a des gens, ils sont mariés. Il vient le soir, il veut te toucher. Vous, les femmes qui priez là, qui jeûnez beaucoup là, je suis dans un temps de jeûne, il faut me laisser. C'est ça qui fait que les hommes s'en vont dehors. Un homme qui est frustré une fois, deux fois, c'est pas bon. Si vous lui avez fait ça là, je vous demande pardon, allez leur demander pardon aujourd'hui. Vrai. Dans 80% des divorces, c'est ça. Où il vous trompe là, c'est ça. Le gars la nuit, il veut te toucher. Hein? On nous a donné un temps de jeûne. Mon ami, je suis en train de jeûner. Quand catholique brûle beaucoup, c'est que la personne est dedans. Ou bien, je parle de vous. Allez, ne refusez pas comme ça. Hein? Vous aussi les hommes, ce n'est pas toujours on fait. Ce n'est pas affaire de lapin. Nous, on est en grand, je vous parle. Vrai. C'est des petites choses, ce n'est pas une affaire de... Ça, la même, c'est spirituel. Il faut qu'un jour, nous les mariés, ça c'est. Surtout nous, les hommes de Dieu. Là. Tu t'en prédis, quand tu arrives. Tu es touché d'avant, oui, non. J'ai dit, c'est un homme de Dieu. Il est venu me dire, frère, ça chauffe à la maison. Il dit, qu'est-ce qu'il chauffe? Il dit, ça ne rentre pas. Il dit, c'est pas ça. Il dit, c'est ça même. Il lui a dit, mon petit, appelle-moi. Elle est venue, je lui ai dit, ça. Au dehors, là, il y a les petites filles, il y a les jeunes filles, elles sont jolies. Elles sont fans de lui. Si tu t'amuses, que vous voyez, il y a les hommes de Dieu, ils ne rentrent pas vite à la maison. Ils sont là. Quand prière finit, il va faire écoute, il va faire prière, c'est là, il va faire délivrance. Tous les petits démons qui restent, il va pouvoir. En fait, il veut arriver tard à la maison. En ce moment-là, pendant que tu es en train de prier, pendant que l'homme de Dieu prie, là, il ne prie pas, sa tête n'est pas sur prière. Il va faire comment? Quand ça lui a fait mal, il va devant le sanctuaire pour prier. Mais il est devant le sanctuaire. Quelle bonne prière il fait. Seigneur, ça me fait mal. Si quelqu'un il a trouvé ça au dehors, il fait ça bien, puis maintenant il vient se coucher à côté de toi. Tu penses que ça ne l'intéresse plus? Changez. Sinon, le changement va vous changer d'être. Alléluia. Quand on parle de ces gens, on dit, le frère là aussi. Ça là, est-ce qu'on a besoin de dire ça? Et moi, je vous dis. Parce que quand on ne va pas vous dire, vous avez pensé qu'on ne connaît pas. Il faut qu'on vous parle. Moi, je vous parle. Voilà. C'est validé. Même tu fais ça samedi soir, tu vas à la messe. Communie, tu n'as pas péché. C'est quand tu n'es pas marié que tu fais ça samedi soir pour aller à l'église dimanche que tu as péché. Mais il y a des femmes, les super spirituelles. Aïe, demain il y a la messe. Il ne faut pas me toucher. Demain il y a la messe. Demain il y a la messe. Oui, mais tu me regardes de façon bizarre là. Luc, le même chapitre 11, le verset 5 est suivant. On va faire vite. Et puis. Waouh, l'heure est arrivée déjà, malheureusement. Matthieu 11, à partir du verset 5. Les aveugles voient. Non, pardon, Luc 11, à partir du verset 5. Luc, excuse-moi, j'ai failli te induire en erreur. Luc 11, à partir du verset 5. Luc 11, verset 5. Jésus leur dit encore, supposons ceci,
L'un d'entre vous a un ami qui s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire. L'un d'entre vous a un ami. A un ami. Qu'il s'en va trouver chez lui à minuit pour lui dire. Un ami à son ami qui s'en va trouver à minuit. Allons-y. Mon ami. Prête-moi 3 pains. Un de mes amis qui est en voyage vient d'arriver. Donc c'est une affaire de quoi? C'est une affaire d'art. Il y a un ami qui a son ami qui est venu le voir à minuit. Mais qui lui s'est levé pour aller à minuit là chez son ami. Pourquoi il ne va pas chez son voisin? Et puis il va chez son ami. Dieu c'est ton ami. Pour venir lui présenter toi tes besoins. C'est ton ami? C'est une affaire d'amitié. Un, il est ton père, mais il est ton ami. Est-ce que ton papa, il y a des gens qui n'ont pas forcément leur papa comme ami, mais si ton papa est ton ami, ah non. Amen. Tu vas avoir tout. Donc, il est son ami. Et puis, allons-y. Un de mes amis est arrivé de voyage chez moi. Il n'a rien, je n'ai rien à lui offrir. Et supposons que l'autre lui réponde de l'intérieur de la maison. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. La porte est déjà fermée à clé. Tu dors et puis tu dis, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Mes enfants et moi, nous sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner tes pains. Je ne peux pas me lever pour faire quoi que ce soit. Donner des pains. Eh bien. Il a été précis, il n'a pas dit donne-moi du pain. Toi, tu es à niveau cycle ingénieur, tu dis donne-moi du travail. Quand on te donne le travail de nounou, tu as fait. C'est travail. Tu n'es pas précis. Seigneur, donne-moi un mari. Marie. Bon, Marie-toi. Allons-y. Eh bien, je vous l'affirme. Même s'il ne se lève pas. Par amitié pour lui donner. Il se lèvera pourtant et lui donnera tout ce dont il avait besoin. Parce que son ami insiste sans le gêner. Sans se gêner. Il insiste sans se gêner. On appelle ça la prière d'importunité. Il importune. Il a importuné son ami. Tant que tu ne lui donnes pas, moi aussi je ne te laisse pas dormir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne pour se débarrasser. Je dis, généralement on prie 2 ou 3 fois et puis on arrête. La chose ne t'intéresse pas. Le fait d'insister sur ce que tu demandes, c'est que la chose t'intéresse. 2 ou 3 fois, tu dis, j'ai prié jusqu'à je n'ai rien eu. Quand on compte, ça fait 3 fois. Et puis tu as pris combien de temps? Quand ça dure, prends Luc chapitre 18, à partir du verset 1er. Je vais vous donner rapidement quelques versets. Frère. Luc 18, tu sais. Mais en fait, c'est une histoire de. Bon. Et puis bon, l'autre, c'était une histoire de la générosité et l'hospitalité. Chez eux, là. Ne pas donner, ne pas bien accueillir un ami, non, c'est pas ça. C'est-à-dire ton honneur est en jeu. Son honneur était en jeu. Donc, à sortir à minuit pour aller chercher du pain, c'est pas ça. C'est-à-dire que pour son ami, il est capable même de s'humilier. Allons-y. Jésus leur dit ensuite cette parabole. Pour leur montrer qu'ils devraient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville, un juge qui ne se souciait pas de Dieu. Il n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville. Une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. Rends-moi justice. Contre mon adversaire. Disait-elle. Pendant longtemps, le juge refusa. Le juge a refusé. Puis il se dit, bien sûr, je ne me soucie pas de Dieu. Et je n'ai d'égard pour personne. Mais comme cette veuve me fatigue. Dans d'autres versions, me casse la tête. Je vais faire reconnaître ses droits. Sinon, à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Amen. Le juge là, c'est qui?
Le juge impitoyable. Hein? Le juge, là, c'est Dieu. C'est faux, c'est pas Dieu. Il n'a d'égard, il ne respecte pas Dieu, il n'a d'égard pour personne. C'est qui? C'est le méchant. Je dis, à force de prier et d'insister, Satan va relâcher prise. Le jour où Jésus a été baptisé, en Luc chapitre 3, la Bible dit, pendant qu'il sort de l'eau, qu'est-ce qu'il fait? Il prie. Et qu'est-ce qui va se passer? Le ciel va s'ouvrir. Il y a des prières qui ouvrent le ciel. Lui-même, fils de Dieu, s'il n'avait pas prié, le ciel était fermé au-dessus de ta tête. Lui-même, il est Dieu là. Le ciel était fermé au-dessus de sa tête. Et toi? Et nous? Il ne faut pas en prier. Le ciel, c'est-à-dire noir, comme il va pleuvoir. Et puis il dit, il va pleuvoir des. Tu sens la bénédiction. Tu sens ça. Mais ça ne descend pas. Sentir qu'il ment. Ça va mentir. Et tu es dans la fête de Dieu et puis tu es aigri. Dis quand tu deviens aigre. Quand on te voit, mais on n'a même pas envie d'aller à l'église. Front, nez, bouche, tout est collé. Bang, 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 bang. Puis quand tu passes, on dirait que tu es en méditation. Mais tu es concentré. Non. Cette femme-là, elle a insisté, elle est là. Tu ne bouges pas. C'est la même chose. Matthieu 15. À partir du verset 21, notez, hein, on dit de noter. Écrivez comme à l'école. Ah, mais c'est bien. Maintenant, là même, c'est comme ça qu'on va faire. Mais j'espère que vous n'avez pas écrit pour aller jeter le cahier après. Bah, les gens qui écrivent sur les feuilles volantes, là, achetez un cahier de 300 pages. Vous avez ça. Privez-vous de 3 jours de mèche ou bien 3 jours de. Trois temps de coiffure, ça achète un cahier de 200 pages. Maintenant, il y en a 500. Maintenant, il y a des cahiers de 200 pages à la librairie de France qui coûtent très cher. Si tu penses qu'il ne faut pas que ça se déchire, que ça va t'accompagner toute ta vie, tu t'en là-bas. Là, tu ne vas pas au salon de coiffure, au moins pendant trois fois comme ça. Bon, ça va aller. Il y a des femmes, c'est très. Hein. Mèche là, on connaît le paquet, il y en a moins cher, là, c'est 800. Sinon, il y en a même, ça coûte cher. Humain, là, c'est une affaire de 100 000. Hein. C'est à partir de 100 000. Sinon, quand on était dans le monde, on accompagnait les filles. Hein. 10 ans, 75 000. En cadeau, quand on a fait aussi. On a fait. Petit agent, là, tu as mis dedans. On a fait comment? Et quand tu sois avec les pieds, les jurys, comme ça, tout le monde la regarde. C'est un jaï. Moi, mon agent, je me prie dans ça. Les gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, regarde, il doit maltraiter sa femme. Non, je ne maltraite pas ma femme. Un jour, je ferai l'effort de l'envoyer. Vous allez la voir. Ce n'est pas parce que je la néglige, mais il y a certaines choses sur lesquelles je lui ai dit, non, quand même. Ma femme, elle n'est pas méchante. Elle a essayé, elle a pas lu. Mais ses cheveux sont longs, jusqu'à ça tombe dans son dos. Il va faire quoi, elle mèche? Quelqu'un, tu as ça jusqu'à ici. Elle a ça jusqu'à ici. Tu as même mèche, pourquoi? Elle dit non, c'est chez elle, va reposer le cuir chevelu. Je dis à moi, je suis parti jusqu'à je viens. Ça a été un autre début. Quand je l'ai regardé comme ça, pas lu. Il dit, il ne faut pas prendre comprimé. Tu as même, tu sais, à neuf. Quand la neuf est nette, la température s'est stabilisée, 37 degrés. C'est parce qu'il y a original, qu'il y a photocopie. Ta jolie cheveux, tu as venu mettre des trucs de caoutchouc sur la tête des gens. Puis tu as pris une mèche humaine pour mettre sur la tête. Tu sais où on a pris? Des hindous qui ont beaucoup de démons comme ça dans leur vie. Là. Tu vas prendre. Parce que dans les cheveux, là, on peut prendre les cheveux pour connaître l'ADN de quelqu'un. Mais si cette personne a un esprit, a un démon en elle, dès l'instant où on a pris cheveux là pour coller à ton cheveu, tes cheveux, les démons là commencent à travailler dans ta vie. Non, frère, une jeune fille s'est convertie, elle est tresseuse. Elle dit chaque natte qu'elle met sur la tête, c'est un démon qu'elle te donne. C'est-à-dire si elle a, c'est-à-dire que façon elle a fait ça là, le nombre de trucs qu'il y a là.
Il y a une coiffure que j'ai vue, des jeunes filles tressées. Le logo de Versace, je ne sais pas si c'est Versace ou bien un truc comme ça. C'est une tête. C'est la tête de Méduse. C'est la tête de Méduse. Méduse là, quand on fait comme ça, et puis on soulève, toute personne qui regarde est rendue en statue. Donc pendant que le truc que tu regardes, tu es hypnotisé, tu es obligé de faire. Vous pensez que ces gens-là, quand ils font leur logo là, vous pensez qu'ils s'amusent avec vous? La tête là, c'est Méduse. Vous n'avez jamais vu ça? C'est la tête d'une femme avec des cheveux tressés. Vous n'avez pas regardé le film. Moi, je regarde des films bêtes comme ça là. Parce que dedans là se trouvent des réalités mystiques, spirituelles. La jeune fille a dit, quand elle s'assoit comme ça, puis elle attrape ta tête, le nombre de cheveux, elle s'est convertie et puis elle confesse. Vous qui aimez tresser fin. Où on prend 6 jours, on prend 6 jours pour faire. Et puis tu es assise, tes fesses là te font mal jusqu'à... Mais on te dit de venir à la prière. Tu es assise 1h30, 2h. Tu dis, vous avez trop duré. Mais tu peux t'asseoir pendant 4h, 6h. 2-3 jours à te tresser. Et puis après, il ne faut pas avoir touché ta tête. Parce que ça te fait mal. Là, tu vas avoir un match, la nuque raide. Non, mais je vais vous dire une chose. Vous savez, la femme, là, c'est le produit fini de Dieu. L'homme, c'est le produit brut. Ce n'était pas encore bien fait. C'est pourquoi un homme peut se mettre en débardeur et va passer. On ne va pas trop regarder. Mais une jeune fille n'a qu'à se mettre dans votre tricot, sous corps, elle n'a qu'à se promener. Tout le monde va derrière. Pourquoi? Parce que le corps de la femme même a dit. Les jeunes filles aujourd'hui, elles portent sous corps et puis elles pensent, elles sont habillées et puis elles se promènent. Et on va te dire, psss, et puis tu réadhérer. Qui m'appelle? On a dit ton nom. Mais on dit, psss, et puis tu réadhérer. Vous savez qui siffle? C'est le serpent. Donc tu comprends le langage du serpent. Si toi-même tu n'es pas serpent, comment tu peux répondre à serpent? Et on dit, la dame l'a dit, les femmes ont eu chaud aujourd'hui. Non, je suis en train de dire parce que j'aime bien. Non, moi, quand il s'agit de parler de beaucoup de femmes souffrent aujourd'hui parce que des femmes à un certain moment, mariage, etc., enfant. Il y a une femme à 35 ans, elle ne se marie plus par amour, elle se marie par dépit. Elle va faire comment? Si je ne fais pas truc, si je ne me suis pas marié, j'ai devenu vieille fille. Donc le premier qui vient, elle ne l'aime pas forcément, mais elle va se mettre à lui. Bon, ça va venir. Sur la route, pendant qu'on est en train, ça va venir. Donc c'est ceux qui connaissent, tu vas connaître la crise de 2 ans, la crise de la 3e année, la crise de la 5e année. La crise de la 3e année, c'est que tu n'as plus les mêmes sensations qu'au début. Avant, quand il te touche, là, tout ton corps, là, tu as l'impression que tu as lâché des poules, il y a quelque chose qui se passe dans ton corps. Maintenant, tu ne sens plus ça. Avant, quand tu le voyais, quand tu ne le voyais plus, quand il arrive là, donc quand tu le vois, ça te fait que maintenant... Il est là-haut, il n'est pas là-haut. Ça ne dit plus rien. Mais c'est parce que ton papa t'appelle toujours qu'il est ton papa. Mais il est ton papa, c'est fini. Ton mari, vous êtes tellement fusionné qu'il n'y a plus besoin de sensations. Vous vivez l'amour. Ce n'est plus une affaire de sentir. Beaucoup de personnes veulent sentir Dieu. Dieu se vit. La vie du chrétien, là, c'est un rosaire. Et au mystère joyeux, quand tu commences au départ, quand tu pries, tu as la chair de poule. Et puis tu sens que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Et puis après, si tu n'es pas éclairé par la lumière de la parole, quand le douloureux va venir, tu vas abandonner. Parce que le douloureux vient, tout est dur. Tu cries, tu pries.
Avant, par exemple, tu faisais, puis tu chantes, et puis tu... Ça, quand tu commences à pleurer, Dieu, toi-même, tu sais que Dieu est là. Goutte d'eau même, ça ne sort plus. Tu vas pour crier, Seigneur. Darry, tu es dans le désert. Il va, ce n'est pas parce que tu le sens et que tu le touches que forcément il est Dieu. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a rien. Ce n'est pas parce qu'il fait que forcément il est Dieu. Ce n'est pas parce qu'il fait des miracles qu'il est Dieu. Mais c'est parce qu'il est Dieu qui fait des miracles. Il va d'abord t'apprendre. Et puis quand il a fini, le glorieux arrive. Tu n'as plus besoin de crier fort, fort. Une simple petite. Tu t'assois comme quand tu dis, Seigneur, merci. Dieu lui-même sait que tu as besoin. Tu es dans le glorieux. On dit à Cana coule le lait et le miel. Avant, on disait que oui, Cana, là-bas, il y a une scène d'abeilles. On dit le lait et le miel coulent. On n'a pas dit que c'est abeille, il y a miel là-bas. On dit ça coule. Quand tu arrives, tu fais et puis ça coule. Mais en temps, le désert, il t'a limé sérieusement. Il t'a limé ton ego. Il t'a limé sa propre. Ta tête cogne le sol. Tu dis, hey, Seigneur, il y a quoi même? Je t'ai fait quoi? C'est pas moi qui a tué. C'est pas moi qui ai tué Jésus. Il dit, ma petite, c'est pas affaire de tuer Jésus. Ton moi-là me fatigue. Tant que je n'ai pas fini à un Sarah, quand je vais te bénir, la bénédiction va devenir problème pour toi. Il y a des gens qui sont trop vite arrivés au sommet. Et parce qu'ils sont arrivés au sommet, le sommet leur a créé des problèmes. Tout ça, bien. Tu pleures, oui. Tu arrives. Ce que tu avais facilement, tu n'as plus à aider. Seigneur, je t'ai fait quoi? J'ai quitté tout pour te suivre, non? Dis, tu n'as rien fait encore. Tous tes parents habitent ici ont bouclé sur toi. Tu as parents bien placés, tu chèteras, tu ne gagnes pas. Le Seigneur dit, laisse, et puis. Tous les jours, tu es à l'église. Tu avais beaucoup de robes comme ça. Maintenant, il reste deux, avec trois jupes. Puis tu es là, Seigneur. Et puis quand c'est fini, quand il commence à te donner, my God, tu en as eu quand maintenant tu partages. Nous, on se brossait avec savon BF à la cité universitaire de Yopougon qui est devenue BAE. On a, quand on nous a chassés là, on avait commencé à vivre notre vie communautaire. On a dormi à 6 sur un matelas d'une place. La tête jusqu'à la hanche est sur le matelas et puis les pieds sont à terre. On a mangé du riz avec piment sec. Mais tellement on est heureux pendant qu'on mange, les gens laissent leur nourriture pour venir manger riz avec piment. C'est celui qui porte son habit qui donne la valeur à l'habit. On a l'habitude de regarder trop les gens. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? Et qu'est-ce que Dieu pense de toi? Dieu voit une merveille. Dieu voit une merveille. Mais toi, tu vois un tas de chair qui est en train de souffrir. On m'a abandonné. On n'est même pas. Pour que Dieu puisse s'établir dans la vie de quelqu'un, pour t'envoyer au sommet, il va d'abord t'envoyer en bas. Avant de construire un immeuble, qu'est-ce qu'on fait? Faux, on ne fait pas fondation. On ne creuse pas d'abord. On va clôturer le domaine. Parce que ce qui va se faire à l'intérieur, pour pas que quelqu'un sache. Dieu là, pour faire... C'est-à-dire que quand tu as l'impression que Dieu a bouclé sur toi, c'est que ce à quoi Dieu t'appelle est trop grand. C'est les petites maisons là, on creuse tout de suite. Mais ce qu'on est en train de faire au plateau, on n'a pas d'abord clôturé. Personne ne doit voir. Quand les gens étaient en train de construire l'ambassade des États-Unis, à quel moment on a vu? C'est quand le bâtiment est sorti, on a vu. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas que les gens sachent. C'est pourquoi quelqu'un qui veut aller loin, il y a l'intimité que tu dois avoir. Dans un couple, elle a son intimité, lui il a son intimité. Mais vous mettez les deux ensemble, c'est encore plus glorieux. Mais quand un seul prie, l'autre va éteindre la bûche de son camarade. Parce que quand on met deux bois ensemble où il n'y a pas le feu, on oublie de souffler sur l'autre. Si tu ne fais pas attention, il y a un qui va éteindre son camarade. Voilà pourquoi
on est soit deux chrétiens, mais on souffre dans la maison. On est pris. C'est toi qui vas dans les prières beaucoup, beaucoup, il faut prier. Maintenant, quand la femme commence à dire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père, je te... votre prière de renouveau, là, moi, je ne suis pas dedans. On a fait trois dizaines, on va quitter ici. Même quand elle dit, bon, on va faire le chapelet. Quel chapelet? Mais trois grains, on va quitter ça. Prière, c'est prière simple, là, tu ne peux pas faire. Kandarabasakaya. Et puis, petit à petit, la foi de la femme va mourir. Quand c'est nous les hommes, on est obligé, on veut forcément qu'elle prie. Mais quand la femme, hey, s'il est à Caen, il va te dire, hey, c'est moi, je suis le chef de la maison. Je t'ai parlé. Attention. Demain, là, c'est pas que je suis venu prier. Demain, là, toi, c'est tu as prié. Ah, le tonton, vous allez où? Ah, le tonton, vous allez juste... ça vous a donné envie d'aller là-bas, quoi. Alléluia. Amen, amen. Non, hein, tu m'as rien dit, hein, mais j'ai parlé. Frère, vrai, vrai, là. La vie, la prière, c'est la respiration du chrétien. Quelqu'un me demande, frère, comment ça fait? Et puis tu dis dans ça. Je lui dis, mon ami, c'est ça. Je n'ai pas autre chose. Je ne peux pas faire comment? Non pas que je ne peux pas faire comment, mais tu ne peux plus te passer de ça. Ça fait partie de moi. Il y a des gens qui disent que bon, j'en ai un problème pour lire la Bible. Si tu as un problème pour lire la Bible, c'est que vraiment, toi-même, tu as un problème. Et tu es un problème. Tu es dangereux et tu es en danger. Et tu es un danger. Frère! T'as trouvé? Folie. Tu vas quitter ici. 25 minutes, c'est bon. Matthieu 15, verset 21. Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyre et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria. Maître, maître, fils de David, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. Elle va très mal. Mais Jésus ne répondit pas un mot. Jésus n'a même pas répondu. C'est pas méchant ça. Lui qui est d'habitude, qui vient au secours des gens, et cette fois-ci, il ne répond pas. Aïe, Jésus. Hein? Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. Renvoie-la, car elle ne cesse de crier à nous souvent. Jésus répondit. Il dit, renvoie-la. Elle nous suit seulement là. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Wow. Mais la femme vint à se mettre à genoux devant lui et dit, maître, maître, aide-moi. Aide-moi. Jésus répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Dans d'autres versions, on dit petit chien. Verset 27. Petit wow, wow. C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui répondit, oh, que ta foi est grande. Dieu t'accordera ce que tu désires. Amen. Vous voyez, cet épisode de la vie de Jésus, du ministère de Jésus, m'a un moment troublé. Mais au fur et à mesure, Dieu m'a éclairé. Jésus était venu seulement pour les Juifs. Parce qu'il y avait une relation d'alliance entre Dieu et les Juifs. Donc, Dieu ne pouvait agir que par rapport à cette relation d'alliance. Si tu n'es pas dans cette relation d'alliance, le ministère de Jésus ne te touche pas. Alors qu'elle, elle est cananéenne. Elle n'a pas droit à être exaucée. Dieu, normalement, Jésus ne fait rien pour elle. Mais bien, elle dit, il faut faire quelque chose. Les chiens, ce sont des païens. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle lui barre la route. Quand on dit qu'elle s'est prosternée devant lui, là, dans la version originelle, elle lui a barré la route pour dire, si tu ne fais pas, tu ne passes pas. C'est la même réaction que Jacob a eue.
je ne te lâcherai pas tant que tu m'es béni. Elle dit, chien ou pâté, petit chien ou pas petit chien, je ne bouge pas. Seigneur, ça là seulement là, ça, tu montes, tu descends. Le nombre d'années que tu vas prendre pour faire, je suis là. Satan va vite se décourager parce que Satan se réjouit de nos découragements. Il se réjouit, il va dire ça. Elle va se décourager deux ou trois fois. Ça fait 3 ans, 4 ans. Peut-être que tu as un enfant, il a 10 ans. Depuis, l'enfant ne vient pas. Tu pries où, quelle prophétie on ne t'a pas donné. Mais ça ne vient pas. Puis tu t'assois, tu dis, mais c'est l'homme de Dieu là qui ment. Mais c'est une prophétie, ça dure comme ça avant de se réaliser. La Bible dit, elle ne sera pas en retard. Mais j'ai l'impression que ça... Parce que Dieu ne ment pas. C'est que c'est le garçon, c'est l'homme de Dieu là qui a menti. Tu es là. Satan, en voyant notre obstination à tenir dans la présence de Dieu, Satan l'a lâché prise. Il faut que... Mais il ne faut pas rester là comme ça pour pleurer. Mais c'est dans la prière. Quand Habakkuk dit, si la prophétie t'attend là, c'est de prier. C'est de prier. Prier jusqu'à ce que nous voyons l'accomplissement de ce que Dieu a dit et de ce que nous croyons. Parce que nous croyons que Dieu répond à nos prières. C'est vrai que ta vie, petit à petit, tu as commencé à mettre de l'ordre. Tu pries, ça ne vient pas. Non, ne t'inquiète pas, ne te décourage pas. Parce que Satan, il a l'art de nous accuser. Il va aller dire à Dieu, tu vois. C'est pas que tu lui donnes, qu'est-ce que tu fais ça? Si tu veux, il ne faut pas donner. Tu vas voir, il ne va plus jamais te prier. Et puis toi aussi, tu ne pries plus. Vas-y, je t'ai dit. C'est pas que chaque fois qu'elle prie, elle rend témoignage. Oh frère, j'ai prié. Mais nous-mêmes, on rend témoignage. Nous-mêmes, on n'est pas bons. Il faut que celui qui rend témoignage n'a qu'à dire combien de fois il a failli abandonner la prière. Mais on vient dire, frère, j'ai prié. En tout cas, c'était difficile. Mais c'était difficile, on n'a qu'à vous expliquer. Elle n'a qu'à dire, parce qu'elle dit que c'était difficile. Qu'est-ce qui était difficile? Parce que généralement, quand on rend témoignage, il y a comment ça a commencé. Là où on a souffert, on ne dit pas où ça a commencé. Et puis quand Dieu a accompli. Donc on pense que Dieu là, c'est une affaire d'internet. www.senatananda.org. Et puis pif, tu as beaucoup de réponses. Ce n'est pas www.dieu.com. www.désert.jc. www.désert.jc. Jésus-Christ. Il faut t'envoyer là-bas. Il dit, viens au désert. Fais pas ça. Au désert, il n'y a pas tonton. Il n'y a pas tanti. Au désert, il n'y a pas l'eau. Mais c'est au désert que Dieu forme les véritables chrétiens. Elle dit, c'est vrai, je suis peut-être cananéenne, mais une seule chose est sûre. Je sais une seule chose. Je ne bouge pas. Et parce que je ne bouge pas, tu ne vas pas bouger. En plus, elle a reconnu comme le Messie. Bien-aimé, comme on dit vulgairement, pour toi va sortir. Mais si pour toi va sortir, pour que pour toi la sorte, là, prends le Dieu au sérieux. Ne t'approche pas simplement de lui pour ce que tu veux, mais approche-toi de lui pour d'abord pour ce qu'il est. Et donc, s'il est quelqu'un d'important pour toi, tu sauras mettre de l'importance dans ce que tu fais. Frère, et je finis avec, quand tu as une relation franche avec quelqu'un, tu mets des unités dans ton portable pour l'appeler. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est ton camarade et puis tu lui parles chaque 3 mois. Vrai ou faux? Dieu est-il notre camarade? Dieu est qui pour nous? Hein? Notre père, notre ami, non. Mais on prend combien de temps pour lui parler? Tellement on n'a pas de bonnes relations avec nos papas là. Je dois m'inscrire. L'année a commencé, je dois m'inscrire. L'inscription fait 200 000. C'est comme ça qu'on donne l'information au papa. 3 jours après, papa, il t'a dit que l'inscription là,
Mais ils ont commencé. Puis on va voir, il dit, il y a quoi? Il dit, mais c'est ton droit. Moi, je dois aller à l'école. En fait, beaucoup d'hommes ont des problèmes avec leurs parents. Donc, la communication qu'on n'a pas avec nos papas là, c'est la même chose qu'on n'a pas avec Dieu. On vient informer Dieu de nos problèmes. Il n'a qu'à résoudre rapidement. Sinon, nous on va faire bêtise. Seigneur, il y a une jeune fille qui est venue me voir. Elle dit, oui, elle là, si Dieu ne fait rien, elle ne prie plus. Depuis elle prie pour se marier, Dieu ne nomme pas garçon. Je lui ai dit, toi tu penses quoi? Tu penses que quand tu allais te prostituer, Dieu sera scandalisé quoi? Le péché que tu es en train de faire là, ça ne scandalise pas Dieu. Hein? Et tous les jours, il est scandalisé. Le péché ne scandalise. Non! Il voit ça. Donc toi, tu penses que pendant que tu as fait ça, c'est maintenant lui, il va. Comme il ne veut pas que tu pèches, il va accomplir. Dieu ne fait pas ça. Non. Qu'est-ce qu'on ne lui a pas fait? Les Adam et Ève ont fait. Les Judas ont fait. Donc, qu'est-ce que toi tu as fait qui va faire mal à Dieu jusqu'à. Les gens ont fait des conneries. Ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe, il y a déjà. Non, c'est pas parce que tu as passé garçon, tu as trompé, toi tu es allé prendre femme. Il y avait déjà des PD à Gomorrhe. Sodome là, c'est de Sodome que vient l'homosexualité. Sodomie. C'est de Sodome que vient la sodomie. C'est pas pédé là. Donc, qu'est-ce qui va choquer Dieu? Bien aimé, non, si tu fais rien, moi je ne viens pas à l'église. Petite prière, tu vas venir faire tous les jours. On va dire, bon, on va prier. Oh Seigneur, on va louer Dieu. Adorons-le. On adore. Seigneur, ma vie, c'est pour toi. Prends cadeau. Par vers la fin, tu as demandé. Prends ma vie, Seigneur. Ma vie est à toi. Et puis quand tu finis, Seigneur, Alakadiama, je m'en vais pour faire quelque chose. Vers la fin, Alakadiama, il y a 144 000 qui le louent jour et nuit là-haut, qui ne demandent rien. Notre prière, là, c'est pour notre propre bien que Dieu nous dit de prier. Ton offrande, là, c'est pour ton propre bien. 10 000 francs que tu donnes, même 20 000, 100 000, même 1 million que tu donnes, 2 millions que tu as donné à Dieu. Là. Dieu n'a pas besoin forcément de ça. Il dit, il n'a pas besoin de viande de bœuf. C'est lui qui a fait le bœuf. S'il veut tuer ça dans la bouche, il tue. Mais c'est pour notre propre bien. Donc la prière, ce n'est pas que Dieu que ça change. C'est nous que ça transforme. Une prière n'a jamais transformé Dieu. Mais elle transforme l'homme. Et elle dispose l'homme à recevoir de la part de Dieu tout ce dont l'homme a besoin pour vivre heureux sur cette terre. Que Dieu nous bénisse.